Depuis des années, Céline Dion est en conflit avec son fils, René-Charles Angélil. Mais malgré les tensions, le jeune homme apporte son soutien à sa mère, qui a accepté de participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, ce vendredi 26 juillet. En effet, ce dernier a été aperçu à Paris avec la star internationale mais aussi avec sa petite amie, Angélique Wekenmann. Selon les informations relayées par nos confrères de Closer, dans leur nouveau numéro paru le vendredi 25 août 2023, son fils René-Charles Angélil mène une vie d'oisiveté avec sa petite amie Angélique Wekenmann. Mais qui est cette jeune femme, devenue la moitié du fils de la superstar canadienne? Les deux tourtereaux, âgés de 22 ans, se seraient rencontrés pour la première fois en 2016. Ce serait leur passion pour les sports de glace qui les aurait réunis. Elle se débrouillait très bien dans son club de patinage artistique, lui, sportif accompli, venait d'intégrer le Storm de Las Vegas, club de hockey sur glace réputé dans la ville poussée au milieu du désert, a rappelé l'hebdomadaire People. Dès lors, les amoureux ont entamé une relation d'abord très sage. À tel point que la diva de 55 ans n'aurait pas vu d'un mauvais œil cette idylle naissante. L'interprète de I'm Alive considérait même Angélique Wekenmann comme une bonne fille lors de son passage dans l'émission Sucré Salé, diffusée sur la chaîne québécoise TVA, en 2016. René-Charles dépenserait des sommes folles 7 ans plus tard, Céline Dion aurait changé son discours. La raison de ce renversement de situation? Le nouveau job d'Angélique Wekenmann, comme l'a révélé Closer dans son numéro paru le 27 janvier dernier. Après avoir obtenu son diplôme dans l'immobilier, la jeune femme a rejoint le staff du Wynn Las Vegas, l'un des plus luxueux hôtels casino tenus par sa famille. Une proximité avec les jeux d'argent qui ne rassurerait pas Céline Dion, inquiète pour son fils. Et pour cause, le grand frère de Nelson et Eddie serait addict au poker et même aux jeux d'argent en général, dévoilait Closer dans son édition du 16 décembre dernier. Céline Dion aurait donc peur que ce retour de flamme ne rapproche un peu plus encore son fils à des gens dangereux qui côtoient le monde du jeu. Et ses craintes sembleraient fondées. Selon Closer, René-Charles dépenserait des sommes folles, si bien que son illustre mère songerait à le faire interdire. Une addiction que Céline Dion ne connaît que trop bien, puisque René Angélil, décédé à l'âge de 73 ans des suites d'un cancer de la gorge en janvier 2016, a lui aussi connu cet excès. Céline Dion, les hommes qui ont compté dans sa vie René-Charles Angélil de moins en moins proche de sa mère René-Charles est déterminé à voler de ses propres ailes. Toujours selon les informations de Closer, le jeune homme de 22 ans aurait quitté le cocon familial pour s'installer avec sa dulcinée. Juste avant Noël, le couple aurait emménagé dans un appartement de Las Vegas. Une nouvelle étape dans la vie de ce passionné de rap qui l'éloignerait un peu plus de sa mère. Une situation qui chagrinerait au plus haut point la diva. Cette dernière craindrait que son fils aîné n'ait trouvé une seconde famille auprès d'Angélique, sa mère et tout leur clan fortuné, a ajouté le magazine. Depuis quelque temps, Céline Dion voit sa belle complicité avec René-Charles Angélil fondre comme neige au soleil. Comme le révélait Public en décembre dernier, le jeune homme aurait choisi de s'éloigner un peu de l'emprise de sa mère. Il y a eu des moments où René-Charles ne voulait pas être le toutou de maman et avait ses aventures amoureuses et personnelles, confiait Elisabeth Reynaud, la biographe de Céline Dion, au magazine. Par conséquent, René-Charles a refusé de prendre la suite de son père dans la production pour pouvoir se consacrer à son propre destin. Récemment,
René Charles a finalement rendu visite à sa mère, alors qu'il séjournait au Canada pour disputer un tournoi de poker. Et malheureusement, la chaleur n'était pas au rendez-vous d'après le tabloïd. Venu sans sa dulcinée, dont il sait qu'elle donne des sueurs froides à sa maman, il est passé en coup de vent. Pouvez-on lire dans l'article. Crédit photo, V.A. Christophe Clovis.